Bye les amis, et les abonnez vous vlog bien sûr à liker et vous abonnez à la chaîne YouTube. Oui, il y a une nouvelle vidéo aujourd'hui, mardi 17 janvier. Je suis ferme de bas, sortira dimanche. Donc, évidemment, parce que c'est une grosse série qui nous attend, la dernière épisode, dernière ou avant-dernière. Quand avant-dernière, ça sera pour mardi, donc maximum. Parce qu'après, ça sera la sortie de Famille sans Famille 722. On se pensait qu'on allait faire un petit peu de pause, mais pas trop du tout. Voilà. Hein. Oui, on va parler aujourd'hui des séries que je vais faire pour Farming Simulator 22 parce que là, faut qu'on commence à en parler. On n'aura pas de nouvelle culture, tout ça. Je vais vous parler un petit peu de tout ce que je vais faire, mais juste avant. Hein, des pouces bleus. Amazon Coca. Let's go, c'est parti. Vous savez ce que je vais faire, les gars. Let's go. Alors, les gars, des séries que je vais envie de faire. Ça sera aussi la première série, les boulangeries saison 1. Possibilité de saison 2. On verra parce que les boulangeries, ça risque d'être assez long. Ce que je vois à mon point de vue, que j'ai regardé un peu l'épisode. Les boulangeries sont assez longues. Je pense que déjà une S1, donc une saison 1, ce sera déjà pas mal peut-être pour essayer d'avoir une saison 2. On va essayer de faire la saison 2. Le mode saison, il y aura une S1, donc saison 1, une saison 2. J'ai déjà au moins une saison 1, mais je pense qu'il y aura une saison 2, c'est sûr aussi. Parce qu'on va faire vite fait, hein, évidemment, saison 1, saison 2. Possibilité saison 3, avec, voilà, on va tester pas mal de maps, évidemment. Donc, évidemment, ah, d'ailleurs, j'ai marqué une série. Une série aussi. Bah, je veux dire, la deuxième vidéo que j'ai oublié, c'est Partir de rien, saison 2. Évidemment, j'ai oublié de la noter, mais ça sera Partir de rien, saison 2. Possibilité saison 3, mais pour l'instant, on verra. Déjà, une saison 2, peut-être qu'il va durer 2 ans. Parce que si Fermier 122 dure 2 ans, là, déjà, forme de Partir de rien, c'est pour durer 2 ans, ça serait pas mal. Parce que c'est vrai que ça va être une grosse série. J'attends les maps en mode, et après, on en parlera, évidemment, sur la chaîne, évidemment. Donc après, je vais récupérer aussi les raisins. Donc, évidemment, les raisins saison 1. Et saison 2, je pense qu'on va faire deux séries parce que je pense que je vais faire une série vers le début de Farming et soit même vers la fin de Farming ou peut-être milieu de Farming, je sais pas trop. Donc évidemment, ça sera l'effet sur les raisins. C'est les premières séries qui risquent de tomber et je vais pas faire les nouvelles séries que j'ai toutes les séries de culture. Ça va être beaucoup trop long parce que franchement, on aura des grosses séries qui nous attendent. Je pense qu'on nous occupe de séries qui nous attendent. Oui, évidemment. Et donc évidemment. Aussi, les raisins avec du jus raisin et raisins secs. Alors évidemment, les raisins, ça sera que les raisins. Donc évidemment, avec. Les raisins, qu'avec. On va faire les coupes, on va broyer le champ, tout ça, peut-être de refaire les cultures. Je pense que ça sera plutôt comme ça. Et l'autre, les raisins avec du jus et les raisins secs, c'est-à-dire que les raisins. Alors, je vous explique, les raisins saison 1 et saison 2, ça veut dire que. On va pas aller aux chaînes de production. On va s'arrêter, on va tailler, on va couper, vous allez voir, on va prendre le matériel. Et les raisins avec du jus de raisin, on va faire la même chose avec les raisins, avec les coupes, tout ça, tu sais, on va couper les feuilles, tout ça, avec. Broyé évidemment, mais cette fois-ci on va faire les chaînes de production avec du jus de raisin et raisin sec. Ça sera soit saison 1, possibilité saison 1, mais je pense que ça risque d'être très très long, ce que j'ai envie de faire. Et là, je ferai vraiment deux fois plus de raisin parce que je pense que je ferai sur les raisins, je ferai petit parce qu'on risque d'en faire une autre série, mais avec des chaînes de production. Et là, je ferai énormément de raisin, vous allez voir. Évidemment, ça va être prévu, ça je vous le dis, ça va être kiffant et on fera aussi en stream. Je pense que les séries de culture, on va essayer de le faire. Ok, après on va utiliser sur les olives saison 1 et saison 2. Je pense que les olives, on a moyen de faire deux séries. Je pense que comme les raisins, il y a possible. Bah, les raisins, c'est pour faire deux saisons. Je pense que les olives, c'est pareil. Le sorgho, je ne sais que saison 1, peut-être saison 2. Mais bon, comme ça va ressembler vraiment à la moisson, je pense que j'ai pas envie de vous montrer vraiment grand chose de tout ça. Aussi pour les serres. Alors les serres, j'ai envie de faire qu'une saison 1, mais je risque de faire une grosse saison parce que je risque de lâcher beaucoup de serres. Évidemment, beaucoup de serres. Un champ que de serre de tomates, un champ que de serre de salade et un champ que de serre pour les fraises. Évidemment, je pourrais au moins 2-3 tonnes à eau. Je pense une tonne pour chaque serre parce que je pense que je pourrais au moins 8 serres pour chacun. Ça risque d'être beaucoup et on va essayer de faire beaucoup de revenus. Ça, ça sera encore sur une autre série, sur une autre partie. Vous allez voir, il y a pas mal de parties qui nous attendent parce qu'évidemment, j'attends que ça de vous faire évidemment les séries sur Farming Simulator 22. Donc après, il y aura aussi une autre série qui va nous tomber. L'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de colza, ça veut dire que l'huile d'olive, alors pour pareil pour les olives, on ne récupérera que moisson. Je sais pas si on aura des trucs de broyer, tout ça, j'ai pas d'infos par rapport aux olives et j'ai pas d'infos. Je pense qu'on est comme nous, on n'a pas d'infos. Donc évidemment, je pense qu'on va être obligé d'attendre, évidemment, on va être obligé d'attendre par rapport à ça. Ok. Donc évidemment, j'ai pas d'infos par rapport aux olives. Est-ce qu'on a d'autres matériels ou est-ce que c'est le même matériel que pour les raisins oui, ça c'est bon. Donc on va faire l'huile d'olive, l'huile de tournesol, donc on fera du tournesol pour faire de l'huile de tournesol. Et huile de colza, évidemment on fera qu'une saison 1 parce que ça sera déjà très très long. Et ça sera une série que j'ai envie de faire. Huile d'olive, après je pense qu'on va relancer notre série pour l'huile de évidemment en conclusion c'est la même série. Donc ça sera 3 cultures pour une série et je pense qu'on va avoir des temps pour préparer. Je pense une culture pour une série comme j'ai prévu, mais ça sera une grande série, huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, saison 1.
Évidemment, après on aura le coton saison 2. Et évidemment, là, le coton saison 2, ça sera. Alors là, on n'a pas fait beaucoup, on a fait un petit bout de récolte, vous allez voir, sur cette saison 1 qu'on avait fait sur Fantasy 19. Là, le coton saison 2, on ira vraiment à faire les chaînes de production. J'irai jusqu'au bout, je vous promets. Évidemment, parce que toutes les séries qui nous attendent, évidemment. J'irai vraiment jusqu'au bout pour faire vraiment toutes les séries que j'ai prévues. Donc après j'ai prévu aussi les séries sur les abeilles. Donc évidemment les abeilles ça sera une saison 1 parce que là-bas les abeilles on peut vraiment pas faire beaucoup de culture comme j'ai prévu. Donc évidemment et même les abeilles à l'époque ça valait pas le coup et maintenant là on va pouvoir les vendre, on va encore faire des revenus supplémentaires et ça sera que pour une série basée sur ça parce qu'on a là je vous montrer que les cultures que pour les nouvelles les cultures qui sont arrivées. Donc ça risque de s'occuper beaucoup de temps parce que chez une production vous croyez que ça s'occupe de temps et voilà. Et maintenant aussi, ah, j'étais pas noté, j'ai peut-être fait une série aussi, peut-être bien, si, c'est vrai, une bonne mais avec le bois, avec les meubles, tout ça. Pour ça, je pense qu'on fera aussi, de notre côté, ce sera d'abord une saison 1, une saison 2, je pense que saison 1, saison 2, ça serait pas mal. Mais déjà, une saison 1, parce qu'évidemment, on risque aussi de faire aussi, bah, en parlant de ça, de l'entreprise forestière, saison 3, possibilité saison 4, mais ça dépend, parce qu'on parlera vraiment ça plus tard, de faire une saison 3, une saison 4, on verra. Parce qu'on a fait une saison 2, on l'a pas fini, en ce moment, d'habitude, qu'on fasse tout le champ, on l'a pas fini. Je pourrais jouer d'ailleurs à l'actuel, je pourrais jouer, non, parce qu'on va s'en passer, je pourrais même pas jouer à l'actuel. Même, je pourrais même pas jouer à l'actuel, mais d'une série qu'on a très vite arrêté. Évidemment, après, on va faire une série sur les animaux, une saison 1 et saison 2, c'est-à-dire qu'on va faire tous les animaux, les œufs, les vaches, les moutons. Les cochons, tout ça va devenir une grosse série. Par contre, ça va devenir une grosse série. C'est pour ça que ça va être une grosse série qui va nous attendre, qui va nous tomber très prochainement. Donc, évidemment, je pense qu'on va déjà faire une saison 1. Et évidemment, une deuxième saison, parce qu'après, on aura aussi Partenariat de s'occuper. Et Partenariat, je pense que tu vas qu'une saison. Mais peut-être pas toutes les semaines, je sais pas. Peut-être pas toutes les semaines, je sais pas. On verra, parce que bah, du coup, il faut choisir bien toutes les semaines. Donc, évidemment, évidemment, faut pas trop attendre aussi derrière tout ça. Mais bon, les animaux. Aussi, après on va faire une série, bon voilà, la série qu'on a démarré aussi avec vous, c'est Ferme de base. Donc évidemment, Ferme de base saison 2, ça sera des saisons, donc là on a fait la saison 1, là on va faire la saison 2, sur la map française, donc elle démarra directement mercredi, mardi 30 novembre à 18h, donc Ferme de base elle démarra mardi à mercredi, mardi 30 novembre, donc elle démarra la semaine d'après que Ferme de base 22 est sortie, mardi 30 novembre à 18h00, ok? Donc là, ça va. Ou peut-être 18h15, je sais pas. Peut-être je vous laisserai un peu plus de temps. Peut-être bien 18h15. Ou 18h15, peut-être on verra. Peut-être bien 18h15. Non, mais on va 18h parce que. Non, 18h parce que comme il fait nuit, ça sera beaucoup mieux. Je sais même pas ce que je choisis, évidemment. Et la dernière série que je voulais voir aussi, c'est nos fermiers N3, N4. Bon, on va rester sur les séries de N3, N4 parce qu'on a déjà démarré N1 et N2. C'est des séries qu'on n'a pas fini. On va essayer de faire les N3, N4, évidemment. Et aussi, je demande aussi faire gérant de la ferme, partir zéro. Et je pense que je vais faire une autre série aussi. Mais je pense qu'on fera une saison 1 ou N1, on va peut-être faire une N1 à partir à 0. Je sais pas si ça sera le même système, je pense que ça sera le même système. On découvrira le système et je pense qu'ils ont peut-être bien gardé le même système pour tout ça. Bah, je sais pas vraiment que les cultures, tout ça, vous auront plu parce que, évidemment, ça va permettre de prendre des séries. Parce que là, pour vous dire comme ça, c'était facile. Je pense que ça va risquer d'être pas facile parce que je pense qu'on risque de tourner 4 farming dans la semaine. Donc, évidemment, ouais, ça va être très 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 chaud. 3-4 farming dans la semaine. Je risque de choisir des séries que j'ai envie de faire. En premier temps, puis avec les maps, M-Creek, leur gratte. Je pense que leur gratte, je pense qu'on va pouvoir le nouveau fermier sur leur gratte. Et ferme de base sur la map Obelron. Voilà, évidemment, ça, je vous oublierai pas de qu'on fasse une série sur les nouvelles cultures. Et évidemment aussi, juste avant que la vidéo s'arrête, évidemment, n'hésitez pas à précommander Fermier 122, hein, n'oubliez pas, avec le, si vous voulez prendre aussi le 7ème pass 1 et 1. Voilà, je vous oublie pas. Vous oblige pas, voilà, parce que bon, voilà, c'est sous les news. Et évidemment, demain à 17h30, demain à 17h30, vous aurez aussi une news sur Farming 722, donc vous oublierez pas. Évidemment, parce que il y a des news qui sont encore arrivées, et là ça va parler de l'occasion des promotions. Occasion, je vous dis que ça, je spoil un petit peu. Évidemment, soyez là demain parce que il y aura quelques gameplay. Vous allez, il y aura quelques, pas quelques gameplay, mais il y aura quelques petits captures d'écran qui seront faites. Donc, évidemment, évidemment, demain je vous prévois des news sur ça. Donc, évidemment, demain restez connectés. Et jeudi, je sais pas trop ce que vous croyez, jeudi peut-être là, les kifalandaises. Ah, oh, oui, je sais pas pourquoi pas les kifalandaises. Depuis le temps que je vais en faire, ou non, vendredi, parce que il fait un vendredi. Et évidemment, samedi, peut-être je vous sortirai pas vidéo. Et dimanche, vous ouvrez pas le coton. Alors, non, samedi, on sort une vidéo sur les collections de fichiers. Ah, regarde, parce que ça ne sera pas vendredi soir, ça sera samedi à 12h15. Donc on reprendra, d'ailleurs, oui, on reprendra, évidemment, comme ça, les collections de fichiers. Ça sera samedi à 12h15 sur ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà, voilà. Bon, les amis, j'espère que vous aura plu. Merci, franchement, à tous les amis, un petit pouce bleu. Ah, vous avez une claque, on a parlé beaucoup à la fin, parce que voilà, à la fin, je voulais un peu discuter avec vous, avec en face, en face de nous. Donc, voilà, un petit pouce bleu. Ah, vous avez une claque, passez une très bonne après-midi. Bonne journée à tous.
Peace! Évidemment, les gars, vous n'oubliez pas, évidemment, demain, c'est pas la news, demain, il y a une news, pas quoi les temps de fichiers, demain, c'est news, parmi 122, vous n'oubliez pas.